Aéna, 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 aéna. Venez, 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 connectez-vous. On va parler chap chap. Connectez-vous, connectez-vous. Aéna, 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 aéna. Connectez-vous, venez, on va parler chap chap. Zasso, faut prendre ton tabouret. Matin, j'étais sur ton direct, j'étais prévenu. Je t'ai dit, quand tu vas finir ton direct là, je vais venir répondre à ton direct. Comme tu as décidé de faire de Pulcherie balayer ton cheval de Troie, là, je viendrai toi aussi apporter des contradictions sur tes accusations fallacieuses. C'est de ça qu'il s'agit. Maxime Kone, sois salué. Sissi Boulaye, Boulaya, c'est ça, non, Bouyala. Sois salué. Partagez la vidéo et puis convoquez mon Zasso en global. Angie Dibono, sois salué. 10 milliards d'étoiles, la beauté du siècle. Tout ça, là, c'est bon, c'est. Merci, mais 10 milliards d'étoiles, la fois, oui, vraie, vraie étoile. Okay. Toi, c'est étoile, c'est bon. C'est petit, petit étoile comme ça, là. Faut vrai, vrai étoile. Ah, Angie! T'es un homme dur, quand même. Hein? Partagez la vidéo. Zasso, prends ton tabouret. Tu sais, Zasso, toi, tu es genre de gars. Il souffre. Maman Matraoué, sois salué. Tu es genre de gars quand tu vois la génération de Sceaux. Pulcherie Balé. C'est notre génération, hein. Voilà. Tu devrais avoir honte. Tu devrais courir te cacher dans un trou. Parce que quand on fait ton bilan, zéro. Zéro. Donc quand tu vois une guerrière, une femme comme Pulcherie Balé, ça doit être un exemple pour toi. Aïcha Traoué, sois saluée. Patrice, sois saluée. Tu dois t'incliner avec beaucoup de respect. Quand tu vois cette femme, c'est pas toi. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Toujours, je te le dis, mais tu n'entends pas. Diabaté, sois salué. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi tu as tant d'amour pour le RHDP. J'ai compris. Parce que ta vidéo là, il y a à manger et à boire dedans. Mais trembler, ce n'est que le début. C'est les Ivoiriens qui dorment, mais ceux qui se préparent là, ils ne voient pas. Hey! Souffrez. Souffrez de voir Pulcherie Balé aller galvaniser l'opposition. Eh oui, on dit que c'est deux mains qui se lavent. Ça vous fait peur, hein? Parce que l'union de la société civile et de l'opposition, là, ça vous fait trembler. Mais vous n'avez pas encore tremblé. Pourquoi vous êtes pressé de faire pipi dans votre culotte? Je ne sais pas. Prends tes calmants, petit. Toi, vieillard de la politique, tu as fini derrière caméra. Tu es devenu activiste, DJ. Matin, midi, soir, détournant sur Internet, aboyer. Pendant que les gens de ta catégorie là, sont en train de mener le vrai combat. Le président Soro, il a son parti politique. Il a un mouvement politique. Charles Blé Goudé a un parti politique. C'est un collègue hein, de la FECI. Hein. C'est un collègue de la FECI. Et toi, Youbiou, qui es-tu? Où tu en es? Qu'est-ce que tu es devenu? À pas mendier et pleurer derrière les cas du RHDP. Tu vas foutre la paix à Pulcherie Balé. Sinon, je serai dans ton sang. Tu vas foutre la paix à Pulcherie Balé. Sinon, je serai dans ton sang. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Soro dont tu parles là. Hé, hey, rebelle, rebelle. Mais quand c'était pour mettre ta tête là sur affiche, à ce côté-là, il n'était pas rebelle. Hein. On peut être amnésique comme ça. Hein?
pour t'afficher à ses côtés, te taper la poitrine pour dire que tu connais Soro. Est fier de dire non que ouais, tu travailles avec lui là. Tu n'avais pas honte, ça ne te gênait pas. À ce moment-là, tu n'avais pas souvenir qu'il avait fait la rébellion. Tu es assis au pouvoir, tu manges et tu travailles avec le père de la rébellion. Mais ça ne te gêne pas. Hein? Toi, Pichéric Balé, pourquoi tu dis merci à Soro? Pourquoi tu dis merci à Charles Blegoudé? Pourquoi tu dis merci à Gbagbo? Ça vous fait mal. Maman Béa Koukouyon, ça vous fait mal. Elle va dire merci, pion le gobi. Je dis association, l'opposition, société civile, ça vous fait trembler. Vous n'avez pas encore tremblé. Au moment où vous allez déféquer sur vous, là, ça arrive. Vous êtes pressé. Donc vous pensiez que vous allez passer votre temps à terroriser les Ivoiriens. Votre dernier coup là sur Pichéric Balé, vous vous êtes dit, mais celle-là, on va la mettre au Niouf. Et quand elle va sortir, elle va fermer sa gueule. Parce que vous l'avez intimée de garder le silence. Vous n'avez rien à vous reprocher sur l'affaire du Mali. Vous n'avez rien à vous reprocher sur l'affaire du Mali. D'après vous, vous êtes parti en mission pour la MINUSMA. Mais vous demandez à la fille de ne plus s'exprimer. De ne pas dire ce qu'elle a entendu et puis vu au Mali. Vous avez quelque chose à vous reprocher. Vous avez quelque chose à vous reprocher. Vous l'interdisez même de sortir du territoire. Ah ouais, la dictature est violente. Tu devrais avoir honte. Tu ne défends aucune valeur. On ne sait même pas qui tu es. On ne sait même pas quelle est ta place. Tu es versatile. Tu es, en tout cas, tu sautes partout comme une pintade. À ton âge, là, tes amis ont formé parti politique. Toi, tu es DJ sur la toile. C'est toi qui les insultes aujourd'hui. Quand pour des miettes, tu as suivi plein goudé, on dirait un rat dans la bourse, là. Ça te gênait pas, hein? Ça ne te gênait pas. Toi, un opportuniste, quelqu'un qu'on peut acheter avec des miettes, tu parles de conviction. Toi, tu as conviction? Tu vas foutre la paix à Pichéric Balé, c'est pas ton égal. C'est pas ton égal. Sur tous les plans. Comment la politiquement parler, le poser. Intégrité, elle est posée. Dignité, elle est posée. Elle sait où elle va. Intellectuellement parlant, elle est posée. C'est pas ton ami. Elle est société civile reconnue en Côte d'Ivoire comme à l'international. Vous allez que souffrir de ce qu'elle est, la société civile. C'est ça là. On dit femme guerrière. Vos nyambros là l'ont jeté en prison. La voilà dehors, elle a pris son bâton de pèlerin. Et puis elle court avec votre âme. Vous allez souffrir. C'est direct seulement. Ou bien tu penses l'effrayer ou l'intimider avec ton petit direct là. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ah, tu t'as lié à SRO, tu t'as lié à SRO. C'est vous qui voyez coup d'état partout. Vous êtes devenu fou. Vous voyez coup d'état partout. Vous vous promenez partout là pour chercher coup d'état. Vous vous promenez partout pour chercher déstabilisation. Apparemment, ça vous manque. Hein? Vos anciennes habitudes, là, vous manquent actuellement. Vous avez la nostalgie du passé. On peut aimer déstabilisation comme ça. Vous voyez déstabilisation de partout. La dame dit, en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens sont privés de leur liberté d'expression. On peut aussi dire, Baba Nicolas Mukbon, c'est faux. C'est faux. Ce matin, tu as dit dans ton direct que si elle organise une manifestation en bonne et due forme, toi-même, là, tu vas aller voir les cadres pour demander aux cadres de la laisser manifester. Donc, tu sais que les libertés sont confisquées en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as besoin d'aller voir un cadre pour demander à des cadres de laisser les gens manifester? Si on était en démocratie, la question ne se poserait même pas. Très cher. Parce qu'apparemment, tu as perdu ton cerveau. Tu ne réfléchis pas. C'est pour ça que je dis dans ta communication, il y a à manger et à boire. Maman, Babo, toujours la numéro uno, la KLMP, depuis ton bon ta position. Crois à soi. Petit à du coup là. Prends ton tabouret et puis assieds-toi et puis écoute-moi. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Tu es dans son sang, je serai dans ton sang. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez foutre la paix à cette femme.
Vous n'avez pas honte. Vous, des garçons comme ça. Des vieillards. Pendant que des gens sont en train de renouveler, comment on appelle ça, la classe politique, mettre au devant la jeunesse, toi, tu es là toujours en train de pleurer. Ouattara, c'est pour ça qu'on veut que Ouattara reste. Tu penses que ton mentor, là, il a 20 ans quoi à vivre. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toi-même là, tu peux pas faire comme l'autre bouffon qui est en Côte d'Ivoire là. Et puis créer un mouvement politique. Aller mobiliser sur le terrain. Non, Ouattara, à part Ouattara, il n'y a personne dans votre parti politique. À part Ouattara là, se retourne en soi salué. Il n'y a personne dans votre parti politique. Ibrahim Soumaoro, soit salué. Il n'y a personne dans votre parti politique. Vous allez vous accrocher sur le vieux là. Quand vous allez sucer son sang. Parce que sans lui là, vous aurez faim. Sans lui politiquement, vous êtes fini. Sans lui politiquement, vous êtes vide. Rien, c'est le néant au RHDP. Mais regarde au PPACI. Regarde la nouvelle génération dont j'en suis fier ces jours-ci. Et je n'arrête pas de tarir de leur éloge. Regarde au PPACI. C'est les gens de ta catégorie. Hein. Vous tous là, vous avez fait fessi. Vous tous là, vous avez fait fessi. C'est les gens de ta catégorie. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Eh, le vieux n'a qu'à rester. C'est pour ça, actuellement, on est en train de travailler pour que le vieux reste. On est en train de travailler pour que le vieux, pour que le vieux, pour que le vieux. Parce que sans vous, sans lui, tonneau vide. Tu parles de Soro. C'est-à-dire quand tu parles de Soro même là. Toi-même là, ça te fait pas. Tu n'as pas de démangeaison. Parce que je sais que la nuit, quand tu rentres dans ta maison là, il y a un esprit qui te gifle, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Hein, Soro, le rebelle là, tu as fait poste, tu as fait affiche. Tu as mobilisé ici avec sa tête sur tes affiches. Aujourd'hui, parce qu'il n'est plus au RHDP, il est devenu rebelle. En tout cas, l'ouvrier mérite son salaire. Faut continuer ta chanson. DJ. DJ du RDR. Voilà comment tu es fini. Tu n'as pas honte de faire, d'être activiste aux côtés des, comment on appelle ça, aux côtés de ce bouffon de l'Adji Shérif là. Tu n'as pas honte. Tes petits frères comme le nain de je ne sais où là. Tu n'as pas honte d'être activiste à leur côté. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Kenan, nous, au moment où on était dans l'opposition, là, hein, nous, on a créé société civile, c'était pour déstabiliser le pouvoir. Mais ne prends pas ton cas pour une généralité. Hein. Tout le monde sait qu'au RHDP, là, de la tête aux pieds, vous êtes des déstabilisateurs. C'est pas nouveau. Mais ne prends pas ton cas pour une généralité. Pucheric Balé est dans son rôle, société civile. Et elle exécute son rôle au propre calme, dans la paix du Seigneur. Sans faux fuyant. C'est une guerrière. Elle vous fait peur. Elle vous fait peur. Et vous avez raison d'avoir peur. Parce que quand tu prends une personne, tu la mets en prison. Une fois, deux fois. Et puis elle sort de là. Et puis elle part tes cassa. Si tu n'as pas peur de la personne là, c'est qu'on ne sait pas de qui tu vas avoir peur. On va l'écouter deux secondes. J'ai pris une petite partie de sa vidéo pour vous montrer la personne qu'il est réellement. Parce qu'il s'y dit, quand il était dans l'opposition, lui, il a créé société civile, c'était pour déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. Voilà. Donc, comme ils ont peur, comme ils sont, c'est des traumatiseurs, c'est des déstabilisateurs nés, ils ont peur que leur pouvoir chute, ils voient la déstabilisation partout. On va l'écouter ici. C'est pas beaucoup, hein. J'ai pris une petite partie seulement. Voilà, et puis on va continuer. Écoutons-le ici. C'est ça qui est la vérité, tu dois savoir. En Guinée, au Mali, au Burkina, partout, c'est la société civile. Non, on t'a mis dans la société civile. Quoi. Attendez. Non, faut pas parler. Faut pas. Il y a la prison. Vous regardez, recadrez tous ces voyous-là, ces grands bandits, ces délinquants de la société. C'est normal. C'est normal. Partout aux États-Unis, en France, où t'es, il y a toujours la prison. Moi, je vois des sociétés civiles qui vont dans des prisons pour faire des dons. Elle contribue même à changer les conditions de vie des prisonniers. C'est les lois. Elle participe à faire basculer bousculer les députés et autres pour que des lois changent, les conditions de vie changent. Mais c'est ce qu'elle fait. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale.
Voilà, vos députés ont payé une voiture pour leur donner. En Côte d'Ivoire, on paye une voiture pour donner aux députés. Mais c'est des trucs que tu dois dénoncer. Mais ah, ben si tu sais que c'est de tout qu'on doit dénoncer, bon, toi-même, tu es au RHDP, là, tu es bien placé pour dénoncer cela. Pourquoi tu ne le fais pas? Je ne te comprends pas. Si on paye des voitures pour donner à des députés, que ça te fait mal, mais il faut aller être député aussi. Toi, tu es aigri. Hein? Au fait, même, tu es aigri. Tu es foncièrement aigri, même. Ben, tous ceux qui sont députés, là, la plupart, c'est les gens de ta catégorie. Mais ce n'est pas de leur faute si tu as mal fini. Ce n'est pas de leur faute si tu n'es pas allé loin dans tes études. C'est pas de leur faute si tu as préféré venir aussi en Europe que de continuer la politique en Côte d'Ivoire. Joël, l'Inter, sois sale. Mais c'est pas de leur faute si tu es nulard. Il faut accepter. Pourquoi tu souffres tant? Attention, hein. Non seulement tu as un excès de poids. Et en plus, si tu es gris, ah, il y a un AVC dedans, hein. Moi, je t'aime, c'est pour ça que je te préviens. Il y a AVC dedans. Fais attention. Fais attention. Ben, pour toi, là, ça pas viré à la sorcellerie. Mais en tout cas, s'il y a AVC là, tu diras pas que je t'ai pas prévenu. On l'écoute ici, on poursuit. La partie arrive, hein. Tu dois dénoncer. C'est des choses que tu dois dénoncer. Ah oui? Tu es là? Ça dit que toi, ton combat là, ça dit comment était Soro. Voilà. Bêtier, voilà. Déstabilisé Ouattara, c'est ça qui est ton combat. Il voit la déstabilisation partout. Michel Mbale, c'est ça qui est ton combat. Ça dit comment tu vas les aider à atteindre leurs objectifs, c'est ça qui est. Mais tu ne pourras pas. Parce que nous là, on va te répondre. Quand tu vois la tête de nos ancêtres. Écoutez, écoutez. Voilà. On va te dire la vérité. Parce que nous là, on était là, on sait ce qui se passe. On a toujours utilisé la société civile, les syndicats pour déstabiliser les pouvoirs politiques. Ah! Qui dit c'est pas moi qui ai dit, c'est Zasso. Zasso qui s'assoit et puis il dit que Soro est, comment on appelle ça, est comment, un rebelle déstabilisateur. Il vient d'avouer que lui là, il a toujours utilisé les associations et la société civile pour déstabiliser le pouvoir. Mais c'est pas aujourd'hui le RHDP, hein. Voilà, à un moment donné, comment il s'appelle là, le président du COGEP, lui a présenté des miettes comme ça, telle une souris qu'on piège avec de la nourriture empoisonnée. Il est venu comment, venir manger. Mais laisse-moi te dire que les déstabilisateurs là, c'est vous. Mais c'est pas de votre faute. Vous allez à l'école de ça. On vous forme dans votre école du RDL là. Pour déstabiliser. Mais ne prenez pas votre cas pour une généralité. On vous a prouvé ça ici. La preuve en est que ça fait 13 ans ton mentor gouverne la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas bruit de canon en Côte d'Ivoire. Parce que les déstabilisateurs sont à la tête de l'État. C'est vous. Dès qu'il y a manifestation, vous faites sortir vos microbes, là, vos nombreux, vos enfants en conflit avec la loi qui ne deviennent jamais des vieillards là, pour attaquer des jeunes gens. Et tu t'assois là gaillardement. Si tu ne viens pas t'asseoir pour pleurer parce que tu as faim, parce que les cadres ne te donnent rien, tu t'assois derrière ton écran pour soutenir la bêtise. Mais c'est que tu veux éviter ce dont vous avez peur. Parce que l'après Ouattara vous fait peur. Mais vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. Parce que nous allons nettoyer vos cerveaux. Remplis de violence et de guerre. Vous allez être nettoyés au propre. Parce que regardez. Regardez, un peuple est toujours à l'image de son dirigeant. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'amusement. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dès que tu fais quelque chose, c'est les menaces. C'est les intimidations. Non, Pécherik Bali, maintenant on va sortir te répondre. Toi, tu peux répondre à Pécherik Bali. Toi, tu peux répondre à Pécherik Bali. Va t'acheter une dignité et une intégrité. Et puis tu viendras répondre à Pécherik Bali.
toi, tu peux répondre à Pichéri Gbalé. Regarde-toi dans le miroir. Et puis, demande-toi si toi, tu peux oser répondre à Pichéri Gbalé. Regardez-moi ça. Des hommes perdus, des femmes perdues. Comme ça, qui vont venir. Elle a raison de vous faire trembler. Tremblez et faites pipi dans votre phoque. Si vous voulez, là, accuser le président Soro, accuser le président Gbagbo, accuser le président Bédier. Mais l'union de l'opposition, quand l'heure va sonner, là, ça sera fait pion, le robin. Vous allez dégager du pouvoir en l'an 2025. La Côte d'Ivoire sera lavée, nettoyée, balayée. Des énergumènes comme vous. Des gens remplis de haine, de violence, d'agressivité. Des terroristes à la tête d'un État. Toujours dans la terreur, l'intimidation. Qu'est-ce qu'il y a? Et en parlant de ça, rajoutons-y le vol. Parce que voilà votre PA, président de l'Assemblée nationale, qui s'en va dans une très belle ville comme Jacquesville. Il arrive là-bas et puis s'en va mettre la main ici, l'héritage de toute une famille. Parce que lui, il est président de l'Assemblée nationale. Ça là, tu ne parles pas de ça. Hein? Ou bien c'est pas un sujet à évoquer. C'est-à-dire quand tu dors la nuit, là, tu vois Pichéri Gbalé dans tes songes. Tu as peur. Mais il faut avoir peur. Moi-même, je te le dis et je te confirme. Tu peux avoir peur. Tu peux avoir peur. Parce que l'heure a sonné. La jeunesse ivoirienne est debout. Vous n'allez plus intimider qui que ce soit. Voilà, c'est fini. C'est terminé. S'il n'y a personne pour prendre la relève au RHDP, la dégager de l'échelle politique ivoirienne. Quittez-la, bande de vauriens. Vous êtes des vauriens, des nullards qui s'accrochent sur un vieillard pour piller la Côte d'Ivoire. Père, c'est le seul cadre que vous avez là-bas. Hein. D'après vous, c'est le seul intellectuel. Apparemment, c'est le seul docteur au RHDP. Docteur en économie. Docteur en économie. Il est en train de, comment on appelle ça? Il est en train d'emmener la Côte d'Ivoire à la faillite. Un docteur en économie. Un docteur en économie. Nous, on s'en va à la faillite, mais il est docteur en économie. Entend le président Gbagbo qui était un simple professeur, qui ne connaissait rien même en économie. Avec le peu qu'on avait, la Côte d'Ivoire divisée. Pendant que vos éléments étaient en train de piller les richesses de l'autre côté du nord pour emmener à Ouattara, le peu qu'il avait là, il avait presque fini de payer la dette ivoirienne. Prince Aboubaka. Hey, Prince Aboubaka, est-ce que quand j'ai parlé tout à l'heure, là, j'ai insulté? Pourquoi vous n'aimez pas pourquoi vous n'aimez pas la contradiction comme ça même? Est-ce que j'ai insulté? J'ai pas insulté. J'ai dit, il s'accroche sur les jambes du vieillard. Ah, le chef de l'État, il est vieux. Il est fatigué. C'est à cause d'eux, il ne veut pas aller se reposer. Lui-même, là, il veut quitter la Côte d'Ivoire, aller à Mougin, dormir tranquillement avec sa femme. Mais les gens comme Zasso qui sont parmi vous là, sont en train de s'accrocher sur sa soutane comme ça. Il y a quoi? Mais il n'y a personne pour prendre la relève. Il n'y a personne pour prendre la place. Hein? Votre docteur en économie, je répète, emmène la Côte d'Ivoire vers la faillite. C'est une réalité. Nous avons plus de 20 000 milliards de dettes. Quand même. Mais qui va payer tout ça là? Avec votre château de sable que vous êtes en train de construire en Côte d'Ivoire là? Qui va payer? Parce que quand votre président sera plus là, vous n'allez pas vouloir partir tranquillement dans la paix du Seigneur. Vous allez vouloir utiliser votre armée là, remplie de milices là, pour vouloir confisquer le pouvoir. Et vous savez très bien que ça là, ça va conduire la Côte d'Ivoire à sa perte. Dans votre château de sable que vous êtes en train de construire là, puisque vous avez décidé de ne pas mettre de fondation, est-ce que ça va tenir?
Oasis, moi je dis pas ça au père. Quand je lui ai dit ça là, vous avez vu, il y a Prince ici qui est en train de me dire d'aller doucement. Moi j'ai peur de haut. Moi j'ai peur de haut. Je ne sais pas. Mais je vous fais une confidence. Ah, on est 27 000 milliards. Moi-même j'ai diminué un peu. Moi-même j'ai diminué un peu. 27 000 milliards. Budget de souveraineté de l'Ovier. 1 milliard par jour. Quand même. Et puis voilà. Attendez, attendez, attendez. En parlant de ça, nous avons tellement l'argent. Que madame, comment elle s'appelle là? Madame, l'école de l'établissement de son enfant. Allait offrir des millions à la Turquie. Pendant que on a dû batailler, pleurer, crier. Pour qu'ils affectent un avion. À nos jeunes gens qui sont à, comment on appelle ça, en Tunisie. Pour entrer en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, vous avez mis combien de millions? Tous ces Ivoiriens qui ont quitté la Tunisie, qui ont tout perdu, qui ont tout laissé. Vous leur avez donné combien de millions pour qu'ils reprennent une activité en Côte d'Ivoire? Mais vous avez pris l'argent, vous êtes allé donner en Turquie. Non mais sérieux? Vous avez fini de régler vos problèmes internes? Vous êtes un des bons samaritains. Mais vous foutez vraiment de la gueule du monde, hein? Les jeunes gens qui sont en train de prendre les bateaux par milliers là, vous ne pouvez pas leur proposer des fonds? Vous ne pouvez pas mettre les fonds à leur disposition pour qu'ils puissent entreprendre une activité et puis rester dans leur pays? Vous n'avez pas l'argent pour les Ivoiriens, mais vous avez toujours l'argent pour les étrangers. Vous savez pourquoi? Vous nous emmenez à croire que vous nous haïssez. Parce qu'il faut haïr quelqu'un pour le voir dans la merde et puis le laisser dans sa merde. Vous avez fini de sauver la jeunesse ivoirienne? Vous avez fini de sauver la jeunesse ivoirienne? Nous, on a tellement l'argent maintenant, juste qu'on fait des dons. Avant, c'est à nous qu'on faisait des dons. Maintenant, la Côte d'Ivoire, elle est riche comme la Suisse. Jusqu'à elle va faire des dons en Turquie. Non, mais sérieux. Mais les gens que vous avez cassé leur maison et puis jeté à la rue là, vous n'allez pas utiliser cet argent là pour les reloger? Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Ah! On peut aimer l'étranger que sa propre patrie? Alors que vous avez jeté des familles entières à la rue? Alors que vous avez cassé des écoles? Cassé des mosquées? Sans reloger des gens? C'est pas possible. Mais ça sont en global. Là tu es aveugle. Hein? Tu vois pas clair. Là, tu vois pas. Hein? C'est Pucherie Balai, tu vois. C'est Pucherie Balai, tu vois. Parce que tu te dis, waouh. Attends, le combat que cette fille amène, la manière dont elle est déterminée, ah, ça risque de porter ses fruits. Alors que si nous, on n'est plus là, comment je vais faire pour manger? Ah, c'est chaud, hein. Belle opposition, avec tout ce que je leur ai fait, quand je vais venir, je n'aurai même pas de place même ou un petit poste quelque part. Ah, Pierre Gentil, mais c'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas d'argument pour contredire tout ce qu'on leur apprend là. Dans leur, comment on appelle ça, dans leur école de, comment on appelle ça, de déstabilisation là. On leur dit, quand vous voyez que les gens commentent là-bas, là, quand des gens intellectuels et intelligents commentent là, allez-y les insulter. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas, dans la mesure où ils ne sont pas RHDP, insultez-les. C'est ce qu'on leur enseigne. Donc si tu t'en vas, je suppose que même que le français, même que tu as parlé là-bas, là, ils n'ont pas compris. Hein. Et tout ce qu'ils savent, c'est comme des moutons. On leur dit, on insulte. Ramatika, comment tu vas? Depuis ton bois, ta position. Partagez la vidéo. Et taguez en global, ça va arriver chez lui. Il y a beaucoup de sujets en Côte d'Ivoire à traiter. Si vous, les hommes, n'êtes pas capables de prendre votre responsabilité, laissez cette femme guerrière là plaider pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu penses que confisquer la liberté des Ivoiriens là va vous permettre de tenir le pouvoir pendant combien de temps? Il y a un moment donné, trop sera trop.
Et quand 3 sera trop, vous n'allez pas pouvoir arrêter la vague violente qui va vous traverser. Cherchez toujours Soro, hein. Mais je parie que, comme vous êtes rempli de mystiques là-bas, là, et que vous faites des pratiques occultes, là, vous êtes allé consulter un marabout qui vous a dit, le petit là, quand il va rentrer au pays, le RDR ne va plus exister. Le RDR ne va plus exister parce qu'il va soulever le peuple, parce qu'il va soulever la foule, parce que les gens vont le suivre. Vos marabouts là vous ont dit que si vous voulez vous maintenir au pouvoir, il faut sacrifier Guillaume Soro. Je parie, je mettrai ma main à couper. Raison pour laquelle vous le cherchez partout, partout, dans tous les recoins, dans tous les hameaux. Vous ne le lâchez pas. Roche Vano, sois salué. Mais tu es là quand même. Je dis rien de bon. Il n'y a rien de bon dans mes analyses. Mais tu es là. On peut être maso comme ça. On peut être maso comme ça. Cherchez le président Soro. Mais ce qui me fait de la peine, et puis je vais finir comme ça, Zasso, avant de te laisser deux mots de la même famille. Ce qui me fait de la peine, c'est vous là. Parce que vous, les militants du RDR là, je suis désolé. Hein. Vous êtes à 90% du Nord. Vous êtes à 90% du Nord. Il y a 10% voilà, qui sont perdus et puis qui traînent parmi vous quelque part là-bas. Il y a 10% qui traînaient quelque part. Eux, ils sont perdus. Ils ne savent pas. Ils ne savent plus à quel sein de se vouer. Donc, ils vont à la manger cassée. Donc, ils traînent parmi vous là-bas. Mais là, ils n'ont qu'à sacrifier Guillaume Soro. Vous allez comprendre. Ne vous accrochez pas à lui. Ne vous accrochez pas à lui. Priez. Ils n'ont qu'à l'attraper, ils vont l'enterrer. Et vous pensez que c'est Guillaume Soro là qui va vous empêcher de maintenir, de vous accrocher au pouvoir. Priez, ils n'ont qu'à l'attraper, ils vont l'enterrer. Dans le pays là, vous allez lire le. C'est pas une menace, hein. C'est une réalité. C'est ça qui est la vérité. Vous allez lire le. Parce que quand on parle là, vous ne réfléchissez pas assez haut. Vous ne réfléchissez pas, mais vous allez lire. J'aimerais ici apporter mon soutien total à Pichéry Balé. Maintenant, là, je suis assis sur mon tabouret. Celui qui va te sortir t'attaquer, là. De toutes les manières, toi-même, tu ne réponds pas aux gens. En tout cas, nous, on est là. Nous, là, on est là. Les assauts, là, on va les remettre à leur place. On va les remettre à leur place. C'est de ça qu'il s'agit. Tu t'en prends à Pichéry Balé, je vais te donner ton vrai nom. Aujourd'hui, tu es au RHDP, personne ne te respecte. Et il y a les petits... Même comment il s'appelle là? Même le bouffon de là du shérif dit qu'il est ton patron. un ancien FSIP est ton patron. Soyez les grandes. Ouh, maman, j'ai chaud. Quelqu'un qui a côtoyé les grandes de la politique ivoirienne. C'est là du shérif qui est ton patron. Va demander à ton patron là, chérie.
regarde ton patron, là, tu chéris, la permission de traiter les sujets. Ah putain, je vais gâter vidéo là. Je comprends pourquoi tu es aigri contre le président Soro. Peut-être tu te dis, mais avec tout ce que j'ai apporté au RHDP là, hein, même si à un moment, je suis allé me balader quelque part, je me suis perdu quelque part, que je suis revenu à la raison. Ah, je ne peux pas finir sous les ordres de la du shérif. En global. Yeah. Et puis toi aussi, tu as parlé de piger, Igbalé. Tu n'as pas honte. Maman. Excusez-moi. Regarde comment tu me fais rire. Maman, là, on dit fleur sans saluer. Maman, elle dit blague. Maman, tu as rire. C'est la vérité. Et c'est surtout là, il a la grande gueule. Quand il arrive devant là du shérif, il s'incline. Il s'incline parce qu'il connaît son patron. Au RHDP, là, que ce soit le nain de Poy, l'autre qui sortit en Ferlande quelque part là-bas, là, passé par Gouza, ils vont prendre tous balles perdues. Hein? Terminé par, comment il s'appelle, là, Zasso. C'est le patron qui est... Donc vous pensiez que quoi? Vous allez arriver, vous, des Bousmani au RHDP. Et puis, vous serez les patrons des gens qui ont mené le combat depuis le temps des canons. Va demander à ton patron, là, du shérif. Est-ce qu'il t'a donné l'autorisation de parler depuis shérif Balé d'abord? Hein? Jean-Marc Honoré, c'est pas mon frère. Si c'était mon frère, là, il n'allait pas oser s'en prendre à Pucheric Balé. C'est pas mon frère. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas mon frère. J'ai dit, là, du shérif est son patron. Est-ce que tu as demandé la permission à ton patron avant de parler de Pucheric Balé? T'as-tu donné la permission? Hein? T'as-tu donné la permission? Attention à toi, hein. Faut te méfier. Méfie-toi. Continue de manger tranquillement. Laisse-nous tranquilles. Laisse le président Soro tranquille, mais c'est pas ton camarade. Mais pourquoi tu le jalouses comme ça même? Tu veux le tuer. Mais toi-même, tu es assis, et tu entends le militer matin, midi, soir, et dit Dieu pour le père de la rébellion. Mais c'est Soro là qui te fait mal. Soro. Tu es amoureux de lui ou bien? Ah! Tu es amoureux de lui. Faut le laisser tranquille. Le président Soro est né pour être à la tête. C'est pour ça que tous les pas qu'il a fait dans sa vie, là, malgré les décisions qu'il a prises, bonnes ou mauvaises, il a toujours été à la tête. Vous étiez à la fesse, là, c'était votre patron. Avant la rébellion, à la fesse, il était votre patron. C'est de ça qu'il s'agit. Il est arrivé dans la rébellion. Le chef de la rébellion s'appelait Ibé. Mais dans la rébellion, là encore, il est allé être la tête et non la queue. C'est son destin. C'est son destin. Donc tu as raison de le combattre. Parce qu'on ne lapide qu'un arbre qui porte des fruits. Mais toi, tu finiras toujours sous les ordres de l'Adji Shérif. Et puis c'est mérité. C'est mérité. Parce qu'au moment où l'Adji Shérif prenait les canons en Côte d'Ivoire, là, hein? Toi, tu étais caché quelque part ici. Donc, bien, Zouzou, le Gangamba, sois salué depuis ton bord ta position. Donc, laisse Pucheric Balé. Mais si tu n'as pas laissé Pucheric Balé, là, je serai dans ton sang. Toi-même, tu ne vas pas me reconnaître. Tu as dit, hé, la fille que j'aime, là, c'est comme ça qu'elle fait. Tu ne vas pas me reconnaître. Tu l'as pas laissé, là, je serai dans ton sang. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Voilà, en bon entendeur, salut. Et puis, toi, tu es un faussaire. Toi, tu es un faussaire. Toi-même, là, tu es Bousmani dans la main de, comment on appelle ça, dans la main des gens, là. Maurice Bayala, merci pour les mises étoiles. Tu es Bousmani dans la main des gens, là. Mais c'est toi qui as voulu piéger Kakabé. C'est pas toi qui as envoyé l'artiste, là.
santé. Toi, une personne sans moralité, tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour nous servir ton incongruité et puis tes balivernes. Tu n'as aucune crédibilité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, tu n'as aucune crédibilité. C'est pour ça que tu travailles sous les ordres de l'adji shérif. Voilà, c'est ton chef. Voilà, tu connais? Quand tu déconnes un peu là, il t'allume dans la paix du Seigneur et puis tu rentres dans les rangs. Vous tous là, que ce soit le nain de poil ou Gouzao, je ne sais pas qui encore, en tout cas, pas ceux-là, le reste là, je ne connais pas. C'est votre patron. Vous connaissez? S'il n'a pas ouvert le robinet là, est-ce que vous allez avoir un peu de miettes, de mougou-mougou? Je vais vous laisser. J'aimerais aussi apporter tout mon encouragement à Pêcherie Balé et à la jeunesse de Côte d'Ivoire qui est en train de se réveiller. Quelque chose de lourd se prépare. Réveillez-vous, Ivoiriens. Il est temps. On a assez subi. Il est temps que des voix se lèvent pour dire trop, c'est trop. Il y en a marre. Vous n'allez pas confisquer nos libertés, nous traumatiser, vous asseoir sur nos convictions. On n'a plus le droit de s'exprimer. C'est la dictature en Côte d'Ivoire. Si c'était la dictature à votre temps, Ouattara, est-ce que Ouattara là, voit le courage même de venir faire coup d'État? Hein? On lui a donné tellement de liberté qu'il a fait coup d'État sur coup d'État sur coup d'État jusqu'à aujourd'hui pour être chef de l'État à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça là, quand on dit aussi, on dit, oh, tu es insulté. Où est un juif qui est dedans? Est-ce qu'il n'a pas fait coup d'État? Ah non, le brave Tché. Il n'y a plus brave Tché. Hein? Au Burkina, vous n'êtes plus brave Tché. Au Mali, vous n'êtes plus brave Tché. En Guinée, vous n'êtes plus brave Tché. Bientôt, ça sera au Sénégal. Après, ça sera à Ghana, à côté ici. Là. Brave Tché, là, ça restera seulement dans votre Abidjan natal. Bon, je vais vous laisser, j'ai assez duré. Voilà. Je lui avais dit, ce matin-là, j'étais sur son direct. Je lui ai dit, tu ne laisses pas Pêcherie Balé. Je vais t'allumer dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Il connaît où? Quand je finis de le traumatiser, quand il s'en fait direct depuis mes insultes, la petite. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Si tu cherches, tu trouves. Tu cherches pas, tu trouves pas. C'est comme ça. Fais la politique et puis fous la paix à Pêcherie Balé. Elle est de la société civile. Vous voulez, vous ne voulez pas. Elle est de la société civile. Et soutenue par les députés européens. Elle est de la société civile. Bema Sadogo, sois salué. D'accord? Donc toi, va chercher à te nourrir d'abord. Voilà, va chercher à te nourrir. Vous voyez, c'est dur. Nous-mêmes, on sait qu'en Europe, ici, là, c'est pas facile. C'est dur. C'est dur. Tu es tellement intellectuel que tu assis tous les jours en Suisse, là-bas, dans ton petit salon, en train de faire vidéo, alors que tes amis sont en train de travailler en Côte d'Ivoire. Avec tous tes diplômes, on ne peut pas te donner un poste en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas poste là-bas. Et puis, tu vas libérer nos oreilles de tes insanités, là. Il n'y a pas poste en Côte d'Ivoire, là-bas. Hein? Pourquoi tu es frustré comme ça? Tu ne peux pas demander, tu peux pas faire un CV pour aller demander du boulot? Hein? Ou bien là, dit chérie, il veut pas. Sois salué. Ou bien là, dit chérie, il veut pas. Là, dit chérie, ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école que ceux qui sont allés à l'école, là, ils n'ont pas le droit d'avoir des postes en Côte d'Ivoire. Il faut laisser Zasso aller travailler pour l'État ivoirien. Il a trop souffert. C'est vrai, à un moment donné, il est parti. Mais quand même, il est revenu. Vous n'allez pas lui pardonner cela. Vous êtes rancunier aussi, hein. Oh, Zasso me fait trop pitié. Comme un homme comme Zasso, comme ça, de la catégorie du président Soro, il est obligé d'être DJ sur la toile avant d'avoir de quoi manger. Hein? Il est obligé d'être DJ avant de pouvoir avoir des miettes. Pourquoi vous faites ça? Hein? C'est pas parce que vous n'êtes pas parti à l'école que vous allez jalouser les autres qui sont partis à l'école. Quand même. Voilà, famille. Merci à tous ceux qui sont restés sur mon direct. Continuez de partager la vidéo. Taguez-le. Ça n'a qu'à arriver sur lui. Il me connaît, oh. En tout cas, moi, il me connaît. Il sait que je ne vais pas le louper. Je ne le louperai pas. Et puis, si j'entends encore le nom du président Soro dans ta bouche, je sortirai pour t'allumer. Dans la paix du Seigneur. Voilà, c'est de bonne guerre. Hein. Faut pas fâcher. Nous s'amuser. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis je te rappelle que c'est pas la guerre. C'est vrai que vous confondez la politique, l'opposition
et la guerre et les déstabilisations. Non. Voilà. Acceptez la contradiction. Acceptez l'opposition. Voilà. Ça ne vous fera que du bien. Voilà. Ça souhaitait bon éternel. Allez, si c'est bon après-midi à tous. J'attends ta prochaine vidéo aussi, Pichéri Balé. Je vais venir m'asseoir encore sur toi. Tu connais où? Ça chauffait pas. Allez, si ce, bonne journée à tous. Maman, la onifle, love you, mamoun. Merci d'être resté sur mon direct. Dumbia Zouzou. Maman Béa Koukouyon. Ogo Sisi Baba Nicolo. Edith Lago, on est ensemble, famille. Kou, sois salué. I Soumaoro, depuis ton bord, ta position. Jean-Marc, on est ensemble. Hi, Jean-Marc, tu dis quoi? Un jour, il sera quoi? Un directeur du cabinet d'un haut cadre du RHDP. Mais Jean-Marc, ce que tu dis là, c'est insultant pour sa personne. Parce que tu sais que Zasso, c'est des gens qui ont fait leurs études en même temps que le président Soro. Ils étaient tous à la FESI, ils étaient tous à l'université. Pendant que Soro, voilà, a son mouvement politique, pendant que Blé Goudé a son parti politique, pendant que les Yasmine sont députés, pendant, il y a qui encore? Et lui, il finit Didier sur la toile, et puis toi, tu dis qu'un jour, il sera un haut cadre. Ses amis visent poste de président. Lui, il cherche à travailler dans le cabinet des... Lui, il cherche à travailler dans le cabinet de haut cadre. Bon, je vais vous laisser. Allez, au revoir.